Eh bien, salut à tous les mecs, c'est Cartman SP, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt très bien. Donc aujourd'hui, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo commentary. Donc j'ai été acheté un casque. Et ben aujourd'hui, on se trouve tout simplement pour l'épisode 7 de Tune Ma Caisse sur GTA 5 version Xbox One. Donc pour cet épisode 7, un abonné m'a proposé de faire la R8 et la Comet. Donc comme à chaque fois... je dédicace la personne en question, donc là il s'agit de Pepito Frérot 69, donc une dédicace à toi. Donc on va tout de suite aller chercher la R8. Donc je crois que c'est dans Legendary Motorsport, je crois. Non, c'est pas là. Donc à mon avis, ça doit être ici. Donc ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Je vous avoue que ça fait bizarre de commenter. Vous me direz dans les commentaires si le casque a fait un bon son. Si vous entendez bien ma voix. Ben, vous me direz tout ça dans les commentaires. Donc c'est la Pfister Comet à 85 000. Et je vais la prendre en blanc. Donc ouais, ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, ça fait un peu bizarre, mais bon, ça va revenir. Et puis voilà. Donc vu que j'ai récupéré un casque, il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver. Vu que j'ai pas fait de vidéo commentée depuis pas mal de temps, il y en aura pas mal qui vont arriver, prochainement quoi. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode 7 vous plaira, même si bon, c'est 2 semaines après. Mais bon, l'important c'est que je vous le sors quand même. Donc ouais, voilà la Comet tout simplement. Donc on va aller à LS Custom. Puis la deuxième voiture c'est la R8. Ouais, la R8. Donc aujourd'hui je vous fais cet épisode là. L'épisode 7. Ah, lui il mange trop à mon avis. Je vous fais l'épisode 7. Et puis c'est tout quoi. L'épisode 7 de Tune Ma Caisse. Je vous uploaderai aussi le déballage de mon casque. Comme ça vous pouvez voir à quoi il ressemble. Donc avant. Ouais, je disais comme ça vous pouvez voir à quoi ressemble mon casque que j'ai acheté aujourd'hui. Donc c'est un Turtle Beach, hein, je tiens à le préciser. Et ouais, je pense que je vous ferai le déballage du peu d'aujourd'hui et l'épisode 7 pareil. Et Cartman SP, le noob du snipe, je le continue, mais je ferai une vidéo, enfin l'épisode 3, je le tournerai demain et je vous l'uploaderai demain dans l'après-midi. Comme ça, ça vous fait pas trop de vidéos d'un coup. Tout simplement. Donc les amis, c'est une Pfister Comet classe sportive. Donc comme à l'accoutumée, déjà on va réparer le véhicule, même si bon, y a pas grand chose à réparer. Le blindage. On va en mettre 1%, normal quoi. Les freins. Freins de course. Carrosserie. Élargisseur d'aile. On va prendre celui-là. Pare-choc. Spoiler moustache ou spoiler double moustache. Ouais, c'est mieux comme ça, je trouve. Ça fait plus course, ça fait plus race tout simplement. Donc je vais mettre celui-là. Moteur, on va mettre le moteur à niveau 4 hein, vu que ça l'augmente pas mal. Par contre, en freinage, c'est vraiment de la merde. Échappement, bon, là c'est un échappement de série double pot. Ouais, ça rend mieux, je trouve. Klaxon, comme vous savez, moi je mets pas de klaxon parce que je trouve que ça fait trop con. Je préfère laisser tout simplement le klaxon d'origine. Bon, les phares. Ouais, phare au xénon. Kit néon, support néon. Je vais mettre avant, arrière et côté. Voilà. Couleur néon. On va mettre en bleu, tiens, ça rend plutôt beau. Bah, plutôt pas mal quoi, plutôt. Plaque, on va mettre du jaune sur noir.
peinture. Alors couleur principale, voilà, là c'est mieux. Donc on va mettre, on va partir sur du mat. Ah là, là franchement, moi j'adore là. Bleu foncé, enfin bleu, bleu normal, ça le fait vraiment bien. Je vais mettre celui-là. Arceau de sécurité. Ouais, arceau de sécurité châssis. Ça fait plus sport. Donc je vais mettre celui-là. Aileron. Ouais, aileron haut ou aileron GT. On va mettre le GT. Suspension. Voilà. Suspension. On va mettre celui-là de compète. La transmis. Ouais, bah on va mettre la dernière. Turbo. On va mettre un quand même. Donc vous pouvez voir qu'elle accélère. Enfin, elle a un bon moteur. Les roues. Type de roue. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre, les amis? Bon, on va mettre déjà du haut de gamme. Je vais essayer de mettre des roues que j'ai jamais mis. Ah, ça il me paraît pas mal cela. Les merci chip. Ouais, je sais pas trop comment ça se dit. Ouais, je vais mettre cela. Couleur des jantes, on va partir sur du rouge. Ouais, sur du rouge, tiens, ouais. C'est bon. Accessoires de roue, des pneus custom. Pneus à l'épreuve des balles. Et une fumée de pneus bleus, bien sûr, vu que la voiture est bleue. Là, les fenêtres plutôt. Limousine. Puis voilà. Puis voilà les amis, bon, ouais, cette comète est faite. Moi je trouve qu'elle rend plutôt bien. On va faire un petit tour sur elle-même. Bah, sur la voiture quoi. Vous pouvez voir qu'elle rend plutôt bien. Bon, on va la tester. Ah ouais, putain, elle est super belle. Hein. Bah franchement, j'adore. Donc bah, on va retourner. Tout simplement au garage. On va la tester un petit peu sur le. Ouais, ok, sur le chemin. Ouais, franchement, elle est plutôt bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je la trouve vraiment kiffante. Juste la couleur, elle est trop belle, je trouve. Avec les jantes en rouge, etc. Là, ça passe plutôt bien. Donc voilà pour cette première voiture personnalisée pour la Comet. Donc on va tout de suite passer à la R8, hein, j'allais oublier. Donc je sais pas si elle s'appelle vraiment comme ça, je crois plutôt que c'est la Obey ou un truc comme ça. Je pense, hein, parce que je crois pas qu'il y a de R8 dans GTA V. Donc voyage et transport. Voilà. Donc je vais quand même voir s'il y a une R8. Parce que bon, moi ça fait longtemps que j'ai plus joué à GTA 5. Mais je pense plutôt que c'est la Obey 9F. Ouais, je pense que c'est celle-là, ouais. Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là qui ressemble vraiment à une R8, tout simplement. Donc on va la prendre en noir. Et elle coûte 120 000. Donc ça va. Man, I love the internet. Donc comme vous me dites les voitures que vous voulez que je personnalise, dites vraiment les vrais noms des voitures et pas à quoi elles ressemblent. Dites vraiment les vrais noms parce que des fois, comme là la R8, si j'aurais pas vu la Obey 9F, je l'aurais pas fait. Hein. Enfin, si j'aurais pas su qu'elle ressemble à la Obey, je l'aurais pas pris. Hein. Donc précisez-moi le nom s'il vous plaît. Ce serait plutôt bien. Comme ça m'éviterait de passer à côté d'une occasion. Bah donc cette Obey 9F est franchement super belle. Il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment une très très belle voiture qui vraiment ressemble vraiment à une R8. Un peu moins quand même, hein, ça, c'est pas absolument la vraie R8, mais elle ressemble beaucoup à la R8 tout simplement. Elle est super belle. Moi je sais pas ce que vous en pensez, là en plus vous pouvez voir le petit logo Audi là en bas qui est un peu coupé pour pas faire style, ouais ils ont copié ou quoi ou qu'est-ce.
Donc tout de suite, donc LS Custom. Donc en tout cas les amis, j'espère que cet épisode 7 vous fera plaisir. Même si ça fait pas mal de temps que je vous ai pas présenté de vidéos, enfin de vidéos commentaries surtout, et des vidéos, enfin de mes séries en cours que j'avais entrepris. Donc là l'épisode 7, l'épisode 6 je voulais sortir il y a à peu près 3 semaines voire un mois. Donc bah, je pense qu'il y en a pas mal que ça va faire plaisir. Parce que je sais que cette série là vous plaît beaucoup. Mes abonnés, je sais que ça vous plaît énormément. Donc bah voilà. Donc c'est la Obey 9F les mecs, et c'est une classe sportive tout simplement. Donc c'est parti. Bon coup pas, on n'a pas la réparer puisque j'ai pas fait de dégâts dessus. Donc blindage. Bah tout le temps celui-là à 100%. Les freins. Donc ouais, en frein c'est vraiment de la merde les voitures de course, enfin les voitures sportives quoi. Donc on va mettre des freins de course. Le pare-choc, séparateur avant custom, pare-choc arrière de série, pare-choc arrière custom, on va mettre celui-là. Et séparateur avant custom, on va mettre celui-là aussi. Voilà. Donc le moteur on va mettre à niveau 4. Voilà. Échappement. Bon, bien sûr, échappement à bout chromé, c'est plus stylé, je trouve. Capot, soit le capot en carbone, ouais, on va mettre celui-là. Ça, c'est plutôt pas mal avec cette couleur-là. Klaxon, on s'en bat les couilles. Éclairage, donc phare aux xénon, bien évidemment. Kit néon, support néon, on va mettre bah, toujours avant, arrière et côté. Voilà, couleur néon. On va mettre du orange, tiens. J'en ai jamais mis. Ça pourrait être pas mal. Alors, plaque. Toujours jaune sur noir. Peinture. Alors, couleur principale. On va mettre du... du métallisé, on va changer un petit peu. On va mettre du orange, je pense. Donc, je vais avancer un peu, parce que bon... Bon, je vais aller à 2 à l'heure. Donc soit orange profond, soit orange normal, ou soit orange bif. Donc je vais mettre orange normal, ça fait plutôt pas mal. Voilà. Donc bas de caisse. Bas de caisse custom, ouais. Vous pouvez voir que il y a une petite rallonge sur le bas de caisse. Enfin, je sais pas si on appelle ça comme ça. Aileron. Bon, aileron bas, ouais, ça fait plus stylé. Suspension. Donc on va mettre des suspensions de compétition. Voilà. Vous pouvez voir la voiture est un peu rabaissée. La transmis. Donc ouais, transmission de course. Voilà. Turbo. On va mettre ouais un turbo. Comme ceci. Roue. Alors les types de roues là, on va mettre du haut de gamme aussi. Attends, on va regarder tout en bas pour voir. On va mettre ceux-là, tiens, les Carbonic Z, ils sont plutôt belles. Couleur des jantes. Donc ça change rien, on va laisser en noir. Accessoires de roue, pneus custom, normal, pneus à l'épreuve des balles. Et fumée de pneus orange. Fenêtre. Bon, fenêtre limousine. Et puis, voilà. Donc voilà pour cette Obey 9F que j'ai terminée. Donc je trouve qu'elle envoie quand même bien du bon pâté. Donc je vais faire un petit tour sur la voiture. Vous pouvez voir quand même qu'elle envoie du bon pâté, je trouve. Le bon gros moteur là. Bon, gros jacky que je suis, je fonce dans une voiture. Donc c'est un petit bolide, hein. Franchement elle est plutôt belle. Donc je vous refais un dernier tour de la voiture. Vous pouvez voir là les au milieu de la calandre
y a les petits ronds qui sont coupés, tout simplement pour dire que c'est Audi, parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre les vrais trucs, tout simplement, les vraies marques, on va dire, les vraies licences des voitures. Bon, on va aller à mon garage. Donc c'est parti, allez go, on va la tester comme ça, sur le chemin. Donc là il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver sur d'autres jeux. Je vais refaire des vidéos gameplay sur Advance Warfare là. Je vais continuer la série que j'avais entrepris. Et aussi je vais peut-être vous faire des vidéos gameplay sur Battlefield Hardline puisque je l'ai. Donc ça pourrait être pas mal. Bon, nique ta mère, je m'en bats les couilles. Donc on va tout de suite rentrer la voiture. Et je vous dis, cet épisode 7 est terminé. Donc j'espère en tout cas que cet épisode 7 de Tue de ma caisse version Xbox One sur GTA 5 vous fera plaisir les mecs. Donc on va récapituler ce que j'ai personnalisé. Donc il y a la Comet, la Pfister Comet et la Obey 9F qui m'ont été proposés par Pepito Frero 69. Donc une grosse dédicace à lui. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu les mecs, ce serait super sympa. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir pour l'épisode 8. Donc l'épisode 8 je le ferai, là on est lundi, je le ferai sûrement mercredi soir. Et abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira en tout cas. Allez, salut à tous, c'était Cartman SP. Salut.